l'éducation. Je suis presque une activiste de l'éducation de la jeunesse africaine. Éduquez-vous. Quand on sait, on a tout. Quand on sait, il y a des portes qui s'ouvrent pour nous comme par hasard. Quand on sait, on dort moins. Bonjour Fanta. Bonjour. Comment vous allez? Très bien, merci. Et vous? Ça va super bien. Merci d'avoir accepté de répondre à quelques-unes de mes questions. Qu'est-ce que ça vous fait de participer à un événement comme celui-ci, Back to Africa? Alors, de l'espoir, ça donne de l'espoir. Ça donne de l'espoir à la nouvelle génération, mais surtout à la prochaine génération. Ça montre qu'on se laisse pas faire, bien évidemment. Ça montre qu'on prend, on a décidé de prendre les rênes. Et du coup, on essaye de mener cette bonne guerre qui vise au développement de l'Afrique, notre continent. Donc, c'est une fierté que je ressens, mais surtout un plaisir incommensurable. Voilà. C'est votre première fois de venir à un Back to Africa? La deuxième fois. C'est quoi vos impressions à cette troisième édition? Alors c'est bien, je trouve qu'il y a de belles organisations et au-delà de tout, il y a énormément de belles personnes, de personnes qui encouragent énormément, des personnes qui enseignent aussi. Donc je pense que tout est bien organisé pour qu'on puisse tirer quelque chose de concret là-dedans. Si vous avez un message à passer à un jeune africain, une jeune africaine, pardon, quel serait ce message? L'éducation. Je sais que je me répète très souvent, mais je suis presque une activiste de l'éducation de la jeunesse africaine. Donc éduquez-vous. Quand on sait, on a tout. Quand on sait, il y a des portes qui s'ouvrent pour nous comme par hasard. Quand on sait, on dort moins. Quand on sait, on a plus envie, la volonté, le courage surtout de se battre vers son objectif, vers notre objectif qui est le développement de l'Afrique. Donc éveillez-vous, éduquez-vous. Et l'Afrique est à nous. Comme dirait quelqu'un, le savoir, c'est un pouvoir. Exactement. Merci à vous. Merci. Bonne journée. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.